Artistes dans l'herbe, c'est une manifestation créée par l'UCPS en 2001 à l'initiative de Michael, qui était permanent de l'UCPS à cette époque et qui pensait qu'il fallait créer une petite manifestation culturelle en été, entre le 14 juillet et le 15 août en gros, pour les gens qui ne peuvent pas partir en vacances et qui n'ont pas grand-chose de culturel à se mettre sous la dent à cette période. Donc il a créé cette petite randonnée tout au long de laquelle on installe des artistes, les pieds dans l'herbe. Je n'ai jamais compté toutes ces demoiselles. Au cours de cette randonnée, on rencontre une vingtaine d'artistes. Artistes dans l'herbe, c'est une petite manifestation à laquelle l'UCPS tient beaucoup parce que nous sommes vraiment dans notre rôle d'animation du territoire. On fait la manifestation en collaboration avec la municipalité. On change de village tous les ans. Donc on fait découvrir un village, on fait découvrir ses artistes parce qu'on demande bien sûr s'il y a des artistes locaux. Et puis on fait découvrir les chemins de Sologne, c'est toujours une découverte très agréable. Là, je peins la Taronne, le petit pont sur la Taronne, à l'intersection du Beuvron et de la Taronne dans Nain. C'est une première en pleine nature dans ce cadre-là, oui. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. On rencontre des gens, on écoute leurs critiques, bonnes ou mauvaises, hein, peu importe, mais c'est souvent c'est bon. Ça, c'est sûr, je le connais. Il a voulu, et puis voilà, les génies sont arrivés. Petit Louis, petit Louis, petit Louis, écoutez.